Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, la Belgique est à la fête avec cette rencontre de Pro League, Sint-Truiden contre Zulte Waregem. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. C'est le premier ballon dans ce match. Avec Bruno. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Eh, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. On a failli avoir un but de vestiaire. Heureusement que le gardien était là pour l'empêcher. Toujours 0-0. Avec un peu d'espace sur les côtés. Une donnée importante concernant cette équipe visiteuse et son parcours cette saison, c'est l'équipe qui prend le plus de buts. Oui. Il y a un grave problème de lucidité et d'efficacité défensive dans l'équipe visiteuse. Les interventions manquent d'autorité et ça donne un bilan assez catastrophique en défense. Cornea. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et le centre est détourné par la défense. Ouais, bonne intervention là. L'attaque se poursuit, elle se développe. Magnifique, quelle passe! Et le gardien plonge bien. Il est joué court. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup franc à suivre. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Excellente l'intervention dans la surface.
Le ballon est maintenant récupéré. Et le gardien était bien vigilant. Un corner qui est bien ajusté. Et le but ! Mais c'est un but contre son camp ! C'est évidemment un cauchemar et c'est un grand coup au moral. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose la plus grande du monde, mais marquer contre son camp, c'est la pire. Il est dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Ouais, une bonne charge. Avec Bruno. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et c'est le moment de déclencher. Ouais, bonne intervention du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Ballon perdu, c'est rendu même. Oh oui, la frappe et la bonne parade du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Oui, le bon geste défensif. L'arbitre laisse l'avantage. Ah, il est loin. Eh oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Et c'est bientôt la mi-temps, la marge est fine, c'est vrai. Mais pour l'instant, l'équipe locale est devant. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée, la priorité, c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. C'est un ballon de contre à jouer. Ouais, facile, ça passe. Il faut tenter le coup, pourquoi pas ? Bonne intervention pour éloigner le danger. C'est confirmé, le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse, mais le contrôle, la gestion, ça ne permet pas toujours de faire trembler les filets. Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est très compliqué de créer des occasions.
Et la balle change de camp. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ah, la frappe longue distance. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, le bon tacle, c'est bien défendu. Magnifique, quelle passe! Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Et le remplacement peut avoir lieu. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Il y a danger parce que là il y a un centre. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et le centre est détourné par la défense. Un bon contre à jouer peut-être. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Et oui, le tir. La frappe est bien contrée. Allez, changement donc. Le corner bien tiré. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et avec ce but, score de parité, un partout. Oh là là, mais quelle intervention dangereuse, l'arbitre va sans doute pas hésiter à mettre la main à la poche. Oh, le carton rouge! Attention, parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Ouais, c'est bien fait, c'est bien défendu. Oh oui, la frappe. Tir contré, sans difficulté.
Le ballon est mal donné et c'est perdu. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Un peu de coaching avec ce changement. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Elle frappe contrée sans souci. Très bon timing sur cette interception. Ah, le contre est possible. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Alors je signalais sur ce ballon. Il y a une intention qui est bonne, mais la passe est partie un peu trop tard. Récupération du ballon. Oh, c'est un bon ballon ça. Ce ballon piqué passe vraiment très proche du but. Le geste juste au moment exact. Pas de chance sur ce coup-là. La mauvaise passe s'est rendue directement et ce ballon est finalement bien capté et heureusement. L'erreur est bien rattrapée avec ce bel arrêt qui vient de remettre un peu d'ordre dans la défense. Oui, le long ballon et la frappe puissante passe de peu à côté. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but, c'est synonyme de victoire. Oui, c'est contré, bonne défense. Bien parti dans le dos. Oh oui, le but, malgré l'expulsion, malgré la difficulté, malgré la fatigue. Mais quelle fin de match! C'est le but typique de Renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, très rarement, de but dehors de la surface. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. C'est pas fini, peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. Et il prend sa chance. Ah, le ballon est contré. Ah, ce corner, c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser dans ce match.
Là, le corner bien tiré. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Il va falloir déclencher là. Ah non, c'est contré. Un corner pour revenir à la marque. Le corner. La deuxième chance, nouveau corner. Attention, c'est pas terminé. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Bonne possession offensive. Ah, c'est bien parti. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé ensuite. Ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. C'est terminé, l'arbitre renvoie donc tout le monde au vestiaire et l'équipe en déplacement fait la bonne opération de la soirée avec cette équipe. Le football vit des exagérations, on n'aime pas les équipes raisonnables, on aime les équipes qui nous donnent le vertige, ils nous remplissent des illusions. Aujourd'hui, la pire défense a tout misé sur l'attaque et c'est très bien comme ça.